Culture. Bonjour Vitaminé. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour Vitaminé, en forme. En forme. De bonne humeur. C'est ce qu'il faut. De bonne humeur. Le matin. Et puis de bonnes nouvelles aussi. Hein. Surtout, oui. Voilà, c'est surtout ça. De bons rendez-vous qui vous attendent déjà ce week-end. Vous avez, alors je recommande ça à tous ceux qui aiment aussi tout ce qui est création féminine. Il y a le Festival de la création féminine qui ouvrira ses portes ce jeudi. Super. Au Palais de la Culture. Oui, au Palais de la Culture. Il va y avoir, surtout, on revient un peu sur le vêtements traditionnels, l'histoire du tissu. On va aller vraiment dans des détails. Ça va être très, très intéressant. Et puis, vous avez également la conférence de presse qui va être donnée tout à l'heure à l'Opéra d'Alger pour la 13e édition du Festival de la musique symphonique. Et la nuit du rail, jeudi, la nuit du rail. Il va y avoir aussi le retour de Bellemot. Bellemot, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, vous imaginez, le fameux saxophoniste connu du monde du rail sera présent. Je ne raterai ça pour rien. Il a du coffre, il a du coffre, 80 ans, mais bon. Les anciens chanteurs de rail seront présents à l'Opéra d'Alger, ils vont mettre le feu, certainement ça va être le top du top. Hein, donc c'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater, la soirée du rail, ce jeudi à l'Opéra d'Alger, c'est organisé par l'Office national de la culture et de la formation, un superbe événement. Ne serait-ce qu'aller aussi à la rencontre de ces grandes figures de la chanson algérienne, du rail qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et surtout Bellemot. Voilà, il y aura bien sûr... Allez-y, grand et petit. La Zahouania. Il y aura Zahouania, il y aura Ben Chenet. Exactement, il y aura Zahouania, il y aura d'autres Cheb aussi. Il y a des nouveaux, c'est le groupe El Basta. Ou El Basta, qui est extraordinaire. Ils sont originaires de Mostaganem, ils travaillent beaucoup sur Oran. Ils ont repris un peu l'ancien rail avec l'accordéon. Ça fait vraiment très... Un melting pot, c'est un vrai brassage. Je les ai découverts à peine ce mois de Ramadan. Ça fait quand même plus d'une année qu'ils bougent pas mal sur Oran, Ils ont donné aussi des spectacles au niveau de la fourmi, Théâtre la fourmi d'Oran. Ils se produisent un peu partout sur Oran, Mostaganem. C'est une superbe découverte, les Basta. Ouais, et ça va être chaud, ça va être vraiment, vraiment chaud. Il y a encore des tickets à vendre, j'imagine. Il y a encore des tickets à vendre, mais il faut faire vite. Et quant à ça va, Amine, c'est bon, je suis dans les temps. Alors je ne sais pas si moi j'aurai ma voix dimanche matin quand je viendrai parce que je vais faire plein de you-you. Des you-you, on va danser, on va faire la fête aussi parce que c'est bien aussi. La nuit va être longue. La nuit va être longue à l'Opéra d'Alger avec la nuit du rail. C'est très bien. C'est très bien, on a besoin de ces rendez-vous. Voilà, on a vraiment besoin d'être heureux. De cette ambiance. Voilà. C'est ce qui vous fait courir du matin au soir, Linda. Exactement. On vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Linda.